Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sont récemment revenus d'une tournée royale controversée de 8 jours dans les Caraïbes. Et selon un expert royal, la tournée turbulente de Cambridge s'est démarquée parce que le public est tellement habitué à ce que les tournées royales se déroulent sans heurts. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, se sont rendus au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas le mois dernier pour marquer l'année du jubilé de platine de la reine, et leur tournée comprenait plusieurs visites. Dans les communautés locales des trois pays des Caraïbes. Mais alors qu'une grande partie de la tournée royale était considérée comme un succès, les Cambridge se sont également retrouvés la cible de critiques et de protestations importantes. Au cours de leur tournée royale, William et Kate ont abordé plusieurs questions clés telles que l'environnementalisme et les premières années, et ils ont rencontré d'innombrables personnes pour leur parler de première main des problèmes qui les intéressent. Mais la tournée caribéenne de William et Kate a été perçue par certains comme sourde et, en particulier, des critiques ont été adressées aux photos du couple serrant la main des gens à travers des clôtures en fil de fer. L'utilisation par les Cambridge d'un Land Rover en Jamaïque pendant que William saluait les troupes lors d'un défilé militaire était censée refléter la visite de la reine en Jamaïque dans les premières années de son règne, mais elle était considérée par certains comme faisant écho à l'époque coloniale. Bien que la tournée de Kate et William semble avoir été éclipsée par les critiques. Un expert royal a souligné à quel point le couple avait été bien accueilli pendant la majeure partie de leur voyage. L'expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à express.co.uk, une tournée royale est un moyen vraiment unique de projeter une puissance douce. En raison de la notoriété exceptionnelle de la monarchie britannique, le pays hôte suscite également un intérêt considérable, certains avant la tournée. Et une quantité considérable au cours de celle-ci.